Bonjour. Vous allez bien? Bon, voilà l'année qui vient de commencer et la meilleure chose que vous puissiez qu'on puisse faire pour vous, bien sûr. C'est de vous donner des choses qui vont vous aider. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez un problème avec votre environnement, c'est-à-dire, vous vivez encore chez vos parents. J'ai une dame qui m'a écrit ce matin, elle veut quitter son mari et elle a 4 enfants avec le monsieur. Mais le souci qu'elle a, c'est. Premièrement, l'homme, elle a l'impression que l'homme utilise son énergie. Qu'il ne. Il suce son énergie. Pour moi, c'est propos, mais pour le dire les propres mots de la dame. Donc, ça fait un mois qu'elle m'écoute. Je dirais moins d'un mois. Donc, je vais donner quelques astuces qui vont vous permettre de sortir de ce trou. OK? Donc, bonjour, bonjour Carlos. Bonjour Diamant Noir. Bonjour. La reine Dean, Olivia, bonjour. La reine Massou, bonjour. Durand Bayenne, si tu attends mon appel, tu devrais m'écrire encore, s'il te plaît. Si tu as payé une consultation, écris-moi pour me rappeler ta consultation. Donc voilà la nouvelle année. Il y a beaucoup de personnes, je vous rembourse votre argent si jamais on ne peut pas faire de consultation, si ça ne peut pas marcher. Et il y en a que je consulte. Depuis ce matin, j'ai déjà commencé à consulter des gens. Donc ne venez pas physiquement pour la consultation sans m'avoir contacté. Donc, si vous êtes à Douala, vous prenez rendez-vous, vous prenez rendez-vous, vous commencez à vous laver avec du sel, après vous appelez pour prendre rendez-vous. Donc, mon secrétaire va vous trouver un espace dans mon emploi de temps. Ok, bonjour la reine Nadège. Bon, vous allez bien, je suppose. Vous avez passé une très très bonne année. Ok. Oui, son mari suit son énergie. Et il y en a parmi vous, vous devez être très rusé. Elle a acheté les produits et elle ne les a pas bien conditionnés. Donc, il a vu. Elle aurait dû garder les produits, même mettre dans une autre boîte. Donc, c'est pas. Vous devez connaître qui est dans votre environnement. J'ai des gens qui achètent des produits chez moi et qui me disent, ça va voyager. Quelqu'un va prendre mes produits. Donc, mets dans un autre emballage. D'autres me disent, ok, emballe ça de telle façon qu'on ne peut pas détacher. Il y a une dame, une fois, elle a acheté des produits. Elle est au Canada. Je lui ai dit, quand ça va arriver, retire, tu mets dans des boîtes vides d'autres choses. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va vouloir que tu avances. Maintenant, si tu ne comprends pas, tu fais confiance, tu dis, ah non, non. On va commencer à dire que tu es une sorcière. On va commencer à dire que tu es une sorcière. Alors que quand tu galérais, Diamant noir, pourquoi je fais les directs à 7 h? On est supposé être occupé. Donc, on est des élus. Vous êtes supposé être occupé. J'ai des gens qui me suivent à partir du Canada. Diamant noir, tu es dans quel pays? Quand ils te sentent, ils sentent qu'ils vont te bloquer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour où ils vont te bloquer. Il y a des commentaires bizarres là. Il y a des gens qui écoutent mes vidéos en différé. Tu parles de quoi là? Bonjour les gens du Gabon. Bonjour le Brésil. Bonjour. Donc, je vous en prie, soyez intelligents. Les gens vont vouloir vous déstabiliser parce que le temps que tu prends pour expliquer à quelqu'un que non, c'est parce que je me lave seulement avec le sel, non. Non, tu vois, c'est parce que non, non, vous n'avez pas le temps là. Ça vous suce l'énergie. Énergie, c'est argent. Il y a des choses que l'année, si vous ne devez même plus vous retrouver en train de faire parce que vous avez évolué.
Vous avez évolué. Bonjour les Canadiens. Comment vous allez? Bonjour Annick, la reine Somme. Vous ne devez plus vous retrouver dans les mêmes anciens petits. Je dois me justifier. Je dois expliquer pourquoi je mets le jujube dans mon porte-monnaie. Je dois dire pourquoi il y a ça là en bas de mon. Ok. Hein? Aujourd'hui, on reste un monsieur. Je ne sais pas comment il a fait pour trouver, pour localiser le bureau. Parce que je n'ai pas mis. Je paye les taxes, mais je n'ai pas mis de pancarte dehors. Parce que. Je sais que si elle met la plaque dehors, là, c'est grave. Ce que je voulais à l'étranger, je ne peux même plus vous parler. Donc, je ne sais pas comment le monsieur a fait pour arriver. Parce que je suis au dernier niveau d'un immeuble. Ce qui fait que si tu arrives ici, soit tu connais que tu viens ici. Tu ne peux pas dire que tu t'es perdu en venant ici. Donc, il arrive, il entre, il commence à demander, vous faites quoi? Donc, j'ai un de mes collaborateurs qui voulait commencer à expliquer que, bon, voilà, monsieur, je suis sorti, j'ai dit que, pardon, vous savez quoi? Monsieur, on n'a pas le temps pour dire, voilà, vous savez, voilà ce que nous faisons. Comme ça, lui, il vient aussi, il répond, pourquoi? Est-ce que ça va me servir à quelque chose? S'il me lave avec le sel, ça va faire quoi? Hein? Tout ça, là, ce n'est pas la sorcière. Non, non. Voilà un moyen par lequel ils prennent votre énergie. Vous passez le temps. Tu veux, si quelqu'un comprend ce que tu fais, tant mieux. J'ai eu beaucoup d'enfants chez moi pour la bonne année. Donc, du coup, j'ai ma belle-soeur qui est venue. Elle arrive hier et elle voit plein de produits au salon. Plein. Elle voit les noms. Elle dit anti-démon. Anti-ceci. Elle dit que, ah, est-ce que la fesse là, c'est même. Je dis que ma chérie, la spiritualité, hein, c'est le genre que tu trouves ton chemin. C'est celui qui a désiré dans son cœur qui va tomber sur mes vidéos et qui va rester. Quelqu'un va même venir chez toi, il va aller dans ta douche. Il va voir les trucs, les produits, il va voir le nom sur les boîtes. Il va dire, ah, est-ce que tout ça marche même? Dès qu'il te pose la question, ne lui dis rien. Tais-toi. Vous essayez trop de convaincre les gens. Non, tu sais, moi j'avais fait ça là. Tu voyais, ça là 2 semaines, j'ai commencé à me laver. Quand je me suis lavé, hein, 2 personnes m'ont appelé pour me rembourser les dettes. Arrête. La personne va commencer à te dire, tu es même sûr. Ah non, non, ça c'est la loi de l'attraction. Ça c'est le subconscient, c'est ton subconscient qui a fait. Tu sais, non, ne perdez pas le temps pour ça. Ne perdez pas le temps. L'année, si c'est l'année de l'accélération, tu peux prendre 6 mois. Tu accumules ton énergie. Quelqu'un vient en 2 semaines. Il vide. 2 semaines, c'est même beaucoup. 2 heures de temps. Oui, explique-moi, tu fais quoi? Donc, tu conseilles les gens et puis leur vie avance. Attends, explique-moi un peu, qu'est-ce que tu fais? Ok, tu es allé étudier dans quelle université? Tu as fait combien d'années d'études? Tu as payé la pension combien là-bas? Hein? Oui, c'était ton diplôme, tu as appris ça à quelle année? Tu as combien d'années d'expérience? Tu vas commencer à dire, oh, non, tu sais, le spirituel, quand tu as les dons, quand tu as ton potentiel, tu n'as pas besoin de. Je te dis, ça marche. Non, je te dis que ça marche. Si tu veux, je peux te montrer. Hein? Tu prends le téléphone, tu commences. Regarde, voilà. Regarde. Écoute, tu vois, écoute ces vidéos. Écoute. Quelle est? Quand tu vas finir, hein, tu vas quitter sur ma page. Tu vas même te désabonner de ma page. Bonjour la reine Fatou. Vraiment, merci beaucoup. Je t'envoie des ondes positives, je t'envoie de l'amour. I send you divine love. Pure love and pure light. Je vous envoie de la lumière pure et de l'amour. C'est pas tout le monde qui est là, qui est un agent de lumière. Hein? Les agents de lumière se reconnaissent. J'écris encore. Les agents de lumière se reconnaissent. Si tu as un homme qui est un Decepticon, lave-le avec le 50 ans. Il sera toujours Decepticon. Il va s'appeler Decepticon Jean-François.
Appelle Cédi, tu peux me parler cet après-midi. Tu as compris? Et prends le numéro. WhatsApp. 680 710 701. 00237. 680 710 701. N'essayez plus de convaincre quelqu'un. La personne est déjà conditionnée qu'il va payer son crédit bancaire de sa maison en 25 ans. Moi, il te dit qu'en un an et demi, tu peux payer tout ça. Tu dis, attends. Tu m'écoutes. 3 heures, tu m'écoutes. 6 heures, tu m'écoutes. Tu es sur le chemin pour le boulot, tu m'écoutes. Ta foi grandit. Ta foi grandit. Ta foi grandit. Écoutez, je vous ai dit ceci. Ma secrétaire est là aujourd'hui. Vous m'écrivez les premiers, les deux. Quelqu'un m'a appelé hier à 8h, 8h40. Après, quelqu'un m'appelle à 20h. J'ai aussi une vie. Vous comprenez? Je vous ai dit, voilà, on a recommencé le boulot aujourd'hui. Écrivez à nouveau. Voilà. La petite foi que tu as, qui a fait que ton argent est venu, que c'est quelqu'un qui te devait t'a donné l'argent là. C'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos. Le sel là en lui-même, ce n'est pas la force totale. C'est ce que tu écoutes, je t'ai dit. Ça clique avec la lumière qu'il y a dans toi. Parce que tu es la lumière du monde. Maintenant, quand tu prends, donc ça active ton pouvoir. Pam! Quand ton pouvoir est activé, cette force doit être relâchée. Cette force doit être relâchée. Et pour que ce soit relâché, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu crois, tu vois, ça s'accumule. Après, boum, tu parles. Et en parlant, tu prends le sel. Comme je me lave, aujourd'hui, là, j'appelle mes clients. Comme je me lave, tout mon temps qui a fait sur mon chemin. Je commande que vous déplacez, vous partez, vous lancez dans la mer au nom puissant de Jésus. Mon boulot, c'est d'accumuler votre foi. La Bible dit que la foi vient par l'écoute de la parole. L'écoute de la parole. Beaucoup d'entre vous, vous allez construire 2022, c'est là. Décembre, vous allez voir les choses que vous avez accomplies. Avant tout, quand tu imaginais que tu vas partir au Canada, tu croyais que c'est l'apogée de ta vie. Quelqu'un va arriver au Canada, j'aurai atteint tous les grands outils de ma vie. Tu vas te voir aller au Canada, États-Unis, Angleterre, voyager, faire des trucs, revenir au Cameroun, construire des immeubles. Je vais ouvrir vos idées. Je suis là pour ouvrir votre imagination. Donc, il y a des astuces. Idriss, c'était aussi un plaisir pour moi de te rencontrer. Si elle savait que tu es le Idriss qui vient souvent ici, là, qui me parle souvent, elle sait que j'allais te gifler. Parce que tu es trop têtu. Quand elle t'a vu ici, là, c'est maintenant qu'elle voit ton nom. Je vois qu'il y a Idriss sur ça. Si elle savait que c'était toi, Idriss, de WhatsApp, ici, là, c'est que j'avais te gifler parce que tu es trop têtu. Tu as beaucoup de pouvoir, mais tu tournes en rond. Tu as compris, Idriss. Et tu es arrivé ici, là, tu as fait le timide. Tu ne m'as même pas dit que c'est toi. Bonjour, le roi Sono ou la reine Sono. Le roi Sono, oui. Bonjour la reine Owono. Bonne année. Meilleurs vœux à tout le monde. Il y en a parmi vous, vous n'avez même jamais vu que votre argent peut dépasser vos 50 000 de salaire que vous avez chaque mois. Mais depuis que tu m'écoutes, depuis un mois là, tu commences à te voir un peu avec les 400 000. Tu vois comment tu achètes sur le terrain d'ici là, le mois de février, mars là. Le terrain là, tu sais que ça va faire de côté même 3 millions. Mais tu sens que tu peux. Tu sens que tu peux. Je vous libère. Je vous libère des prisons qu'on vous a données. Vos prisons qu'on vous a mis dedans, là, avec les gens de la famille ici là. Tu as cotisé là depuis 10 ans. Tu achètes le terrain litigieux. Litigieux. Tu es au tribunal depuis 5 ans et demi. On n'a jamais donné un truc dessus. On dit qu'on attend que le père de la famille là, est mort.
Il faut qu'on attende que l'hérédité soit prononcée sur les enfants, les quoi là-haut. Ça te fait tourner en rond. Je vous dis que je vous libère. Au nom de Jésus-Christ. On a fait l'atelier de planification de 2022. Et quand on a fini l'atelier, on l'a fait de lundi à mardi de la semaine passée. Cet atelier, je l'ai encore pour vendre. Donc, si vous voulez vous regarder, vous voulez regarder l'atelier, vous me dites, vous payez. Et je vous envoie le lien, vous regardez. Et dans l'atelier, là, il y avait une reine. Elle, son rêve, parce qu'elle a deux enfants, elle vit aux États-Unis. Son rêve, c'était d'arrêter le boulot où elle part toujours. Elle sort de la maison, elle part. Elle dit que pour que je puisse scale, c'est-à-dire augmenter mes sources de revenus, je veux travailler à partir de la maison. Et je veux avoir le genre de salaire que... Donc, quand on me paye, j'ai toutes les indemnités. Le 31, je lis son message, peut-être même 2 heures plus tard. Elle dit que maman, j'ai passé l'interview aujourd'hui. Que le boss, en fait, ne m'a pas posé la question. Il faisait l'interview seulement pour me voir. Que j'ai pris le remède, j'ai le truc, la poudre, j'ai parlé. Je me suis lavé, j'ai déclaré. Il dit aujourd'hui j'ai la faveur. Le boss voulait seulement me voir pour dire comment, ok, ressources humaines vont te recontacter seulement pour qu'on voie comment te mettre dans le truc, le système. Elle dit que maman, à moins 2 jours de la fin d'année, voilà, j'ai décoché mon boulot de rêve que je voulais. Maintenant, je peux travailler de la maison. C'est-à-dire, Jibel de l'ADS, en France, CFA, je crois que c'est 33 000, je le vends à 50 euros. J'ai dit que c'est en promotion jusqu'au 5. Le 5, j'arrête. Parce que je l'avais mis à 150 euros. L'événement, c'était 150 euros. Et je vous ai encore dit, pour ceux qui assistent à cet événement, je sais ce que ça va donner dans votre année. Elle a payé son argent, elle a assisté. 4 jours plus tard, première chose, elle a obtenu son rêve, son boulot de rêve. Elle me dit dans son voice que je ne savais pas qu'en écrivant ce que je veux, que quand j'écrivais le jour là, mais après la télé, parce que j'ai fait, on a d'abord fait la méditation, on a relâché les mauvaises énergies, après on a passé 4h30 de séminaire, de minuit 30 à 5h10. Visualiser, planifier, comment planifier, quels aspects de ma vie planifier. Beaucoup d'entre vous, vous savez pas ce que vous voulez pour l'année. Tu t'es levé seulement comme ça, élan, élan. Tu t'es levé comme tu es là, tu vois là. Tu es seulement parti. Tu pars où? Tu visualises. Si tu as déjà un plan, beaucoup d'entre vous devaient écrire vos livres. Ça fait 5 ans, je dois écrire le livre de ma vie. Je dois écrire le livre de ma vie. Vous pouvez payer par PayPal, vous pouvez payer par Mobile Money, Orange Money. Comment le PayPal, MTN, voilà le numéro MTN. J'ai presque fini, pardon. J'ai. Oui, on va bâtir ensemble. J'ai presque fini. Donc voilà les méthodes de paiement. Il y a PayPal. Quand vous écrivez, vous envoyez la capture d'écran avec la preuve de paiement. Moi, je dis toujours que vois ce que tu veux. J'ai un livre que j'ai derrière. Je vais sortir le livre aussi dans 2 semaines. Je vais faire des petits livres comme ça. Comment se séparer du père de ses enfants qui abusent de toi? Vous entendez? J'ai conçu ça spécialement pour quelques femmes. Une m'a encore écrit ce matin. Elle me dit, maman, je me suis réveillée à côté de l'homme là. Je sais que ce matin, j'ai trouvé le moyen pour sortir d'ici avec mes enfants. Hier, elle me dit qu'il a vu les produits de lavage qu'elle avait. Il a commencé à l'accuser de sorcière. Il voit le sel. Quoi d'autre? Il commence à dire que c'est la sorcellerie. Et elle travaille dans son entreprise. Il ne veut même pas entendre qu'elle a l'argent. Il la moque.
Il y a cela 2 ou 3 ans, elle a acheté un terrain de côté, elle a caché. Elle voulait faire une quincaillerie de côté, quelque chose comme ça là. Pouf, elle fuit. Il a attrapé la dernière minute. Maman, les problèmes de ça. Imagine, tu connais qu'un homme te déteste. Mais il te noque toutes les voies, si bien que tu hisses. Parce que ces gens ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Il sait que si elle n'a pas d'argent, elle ne peut pas bouger. Si elle ne sort même pas, elle ne peut pas réfléchir. Mais ce qu'il a oublié, c'est que vous avez WhatsApp, vous avez Facebook sur votre téléphone. Et votre désir de sortir de là fait que Dieu vous permet de voir mes vidéos. Il y en a parmi vous êtes dans des prisons. Prison. Certains qui sont là chez les parents, je ne peux pas vous dire. Est-ce que vous savez que si vous vivez encore chez vos parents à plus de 25 ans, vous êtes en prison? Est-ce que vous savez ça? Tu dois sortir de chez tes parents, aller louer ta maison. Et comme tu sors là, maximum 2-3 ans, tu construis ta part. J'ai parlé avec un jeune homme de 22 ans ici une fois. Toutes mes filles spirituelles là, j'ai dit que qui que ce soit que ton gars est là, qui veut qu'il vienne ici. Le gars a les idées. Bonjour la reine Lazas. Le gars a tellement d'idées. Je le vois à 22 ans, il me dit qu'il va construire, acheter son terrain, il veut construire sa maison. 22 ans. Donnez seulement 2 ans à l'enfant, là, il aura fini de construire. La première voie par laquelle ils vont vous arrêter, empêcher que tu ne voies, empêcher que tu n'entendes ce qui va mettre un rêve dans ton cœur, empêcher que tu ne voies ce qui va faire que tu crois aussi que non, je peux. Dès qu'il rentre le soir, tu es en train d'écouter les vidéos. Ah, pardon, je vais me faire manger là. Ma soeur, même s'il faut que tu écoutes à 3 heures. Tu peux faire ton lavage, tu fais tes déclarations avec ton don à 3 heures de la nuit. Parfait. C'était parmi vous. Vos trucs, vous devez mettre dans les bouteilles. Tu mets dans la bouteille de Tanguy. On vient voir bouteille rose, bouteille verte, bouteille ceci. Toi, tu connais dans ta tête que ça, c'est pour le déblocage. Ça, là, c'est pour parler. Ça, là, c'est le... Cachez vos choses. Certains, ils mangent votre... C'est votre énergie qu'ils prennent pour aller se faire de l'argent dehors. Il arrive le soir, il te pose tous les problèmes qu'il a eu au bureau le jour-là. Oui, il y a tel problème, telle personne fait comme ça là, oui, telle. Tu t'assois, tu écoutes. Après, tu lui dis que fais comme ça. Il part, il fait. Karine, mon bisou, je n'ai rien contre toi. Hein. Je vous ai encore dit, voilà le téléphone. J'ai la secrétaire qui a commencé le travail aujourd'hui. Écrivez, on va vous répondre. Peut-être vous croyez que quand il voit ton numéro, il dit que je la déteste. Non. Il y a juste trop de messages. Il y a juste trop de messages. Et quand il vient, tu dis, tu donnes les idées. Il ne va pas te dire devant toi que c'est ça qu'il va aller faire au bureau. Hein. Il ne va pas te dire. Après qu'il rentre le soir, il commence à critiquer ta nourriture. Il critique la façon dont tu t'occupes des enfants. Il critique la façon, il critique tout. Il ne va pas te dire que l'idée que tu m'as donnée m'a aidé. Les déclarations avec le don, c'est sur la chaîne YouTube, pardon. J'ai mis tous les liens sont ici là. Cliquez sur un des liens pour aller sur la chaîne YouTube. Tu mets 7 grains de don. Le don, c'est le jujube qui pique là. Petit coup comme ça là. Voilà le don. Ok? Vous devez avoir ça dans votre porte-monnaie, sac à main. Tu te lèves tôt. Parce que le don, c'est là, c'est une herbe spirituelle très puissante. Tu mets ça comme ça, comme ça picote dans la bouche là. Ça active la puissance de ta parole. Mangez ça chaque jour. Mais il fait que quand tu es là, tu parles, tu dis que fais comme ça là. Il prend ton énergie pour se faire l'argent avec. Parfois, pour certains amis, vous, ils disent qu'ils travaillent avec vous. Non, tu pars en ligne, tu cherches les produits. Tu dis que vends ça. Achète plutôt. Comme tu voyages par là, Dubaï, là, achète la marchandise, ça va marcher. Il prend, il paye, il achète. Il vient, il se fait un bénéfice de 25 millions. Il t'achète un petit cadeau de 100 000, il te donne. Après, il va te dire, écoutez, vous devez devenir insensible aux paroles des gens. C'est quel genre de paroles que l'homme te dit que tu n'as pas encore entendu? Oh, tu es belle, hein? Hey, une femme qui a 3 enfants, tes seins sont encore debout, ma chérie. Même si c'est tombé, si tu as l'argent, hein, tu pars, tu payes, on soulève tes seins.
Arrêtez de tomber sur les paroles de n'importe qui. Excusez-moi les hommes qui sont dans le direct, je suis vraiment désolée. Hé, hey, maman, ton ventre est plat. Hein. On ne sait même pas que tu as 4 enfants. Maman, les végés, tu n'as même pas gâté. Tu es encore belle. Je veux t'adoucir avec les paroles, ma chérie. Kamel Nongi, je vous ai dit de partir sur la chaîne YouTube. Vous ne voulez pas partir. Il y a les liens YouTube ici, là. C'est pour ça que vous arrêtez vos vies. On fait les vidéos, on met en ligne, vous ne regardez pas. Sur YouTube, il y a les courtes vidéos que j'ai mis. Tu dis qu'il te répond, enfin, ce que tu es venu, on s'est dit, il est parti sur YouTube, tu n'es pas parti. Voilà, maintenant tu attends. Si ta vie dépendait de ça, c'est que tu es morte. Je vous le disais encore, ne vous laissez pas amadouer par n'importe quelle parole. Ah, tu es belle, tu regardes ta peau. Maman, c'est quelle huile que tu mets comme ça? Hé, monsieur. Parce qu'il te dit déjà des paroles qu'on t'a jamais dit. Ma chérie, même si tu as 5 enfants de 5 pères différents, va chercher ton argent. Va chercher ton argent. Je ne parle pas contre les hommes martial. Tu as compris le roi Tissaké. C'est juste que j'ai beaucoup de femmes qui m'écoutent. Il y a même les femmes qui m'écoutent, qu'elles ont 25 000 francs de salaire mensuel. 25 000. Et j'ai des gens qui m'écoutent qu'ils ont 10 000 dollars par mois. Celle de 10 000 dollars, ce qui peut la faire tomber, c'est quoi? Le fait qu'elle doute de qui elle est. Elle laisse un homme qui est mal intentionné dans sa vie. Il utilise les paroles. Ah, maman, hey! Parce que quand elle entre, il voit qu'elle a son argent, elle ne manque de rien. Il faut qu'il cherche un petit canal par lequel il va toucher. Il remarque que, ok, elle doute un peu de sa beauté. Elle doute de sa beauté. D'accord. Une fois, quelqu'un m'avait même dit non. Que tu as la chance, hein? Tu as un enfant, moi je sors avec toi sans me plaindre. Je dis, hein? Ma part d'insolence, c'est là. C'est toi qui dois t'estimer heureux. Parce que les femmes sont émotionnelles. Vous êtes émotionnelles. Et c'est qui va voir tes os de lavage. Voilà toute une potion que j'ai ici là. Quelqu'un dans mon bureau, il voit, il ne peut pas savoir ce que c'est. Ce n'est pas le supermon. Ce n'est pas le opus, ce n'est pas le tanguy. Malise et Wané, le numéro est là-bas. 00237-680-710-701. Tu as compris, non? Tu prends rendez-vous. Tu te laves avec le sel au moins 3 jours avant de venir. Sinon, ton énergie ne va pas correspondre. Tu as compris, mamie? Bonjour, bonjour et bonne année. Tu dois être pleine dans toi-même. Et les pères de vos enfants connaissent vos baby daddy là. Ils sont à distance, mais ils vous observent. Ce n'est pas la concurrence. Je ne suis pas en compétition. Tout ce que je sais, c'est que je m'aime. Et ma meilleure version doit sortir. Laetitia Meto, si tu vois les pierres précieuses, ça veut dire que tu vas être très riche. Mais maintenant, tu ne vas pas te coucher à la maison, ça va venir. Tu as compris? Valérie Tagne, bonne année. Vous devez planifier vos choses. Tu t'assois. Écoutez beaucoup de vos livres que vous allez écrire. Vous allez les écrire dans la nuit à 3 heures. Il est en train de dormir. Tu es là comme ça, tu écris. Parce que tu t'es lavé au sel avant de dormir. Le sel là a fait que ta force. Le sel, ça conserve ton énergie. Ça enlève les mauvaises énergies de la journée là. Toutes les mauvaises paroles qu'on t'a dit là, ça part. Tu te connais comme ça là. Tu écoutes donc, tu n'as pas de distraction. Et vous savez que les femmes sont très fortes pour ça. Les femmes sont très disciplinées. Donc ne laissez pas les paroles. Ne buvez pas seulement les paroles. C'est pour ça que quand quelqu'un vient me dire trop de gentillesse, oh je t'aime, oh tu es belle, tu es ceci. Je n'aime pas les flatteries. Ce qui fait que le jour où tu viens avec les mauvaises paroles, même ça ne me touche pas parce que je ne vis pas de tes paroles. Je ne vis pas de tes paroles. Merci beaucoup, Queen. Balotelli, tu as demandé quoi? Souvent, vous demandez des choses qui n'ont pas de sens. C'est pour ça que je ne réponds pas. Nouvelle année. Tu es dans ton foyer là maintenant. Tu as déjà tout fait. Et il y a aussi une autre chose. Quand tu commences à te laver toi seul, tu fais tes choses pour avancer. Soit ta vibration va monter.
Et l'homme là, soit il va partir, soit il va s'améliorer seul. Parce que deux vibrations opposées ne peuvent pas rester ensemble. Soit il va rester un jour comme ça, il va commencer à devenir bêta. Donc, tu vas voir, il va commencer à devenir positif, seul. Parce que dans tes déclarations, bien sûr, tu parles aussi sur ton mari. Je déclare que mon mari est gentil. Oh, il m'aime, il s'occupe bien de moi et des enfants. Je déclare qu'il ne me trompe pas. Parlez aussi, wow, les femmes qui sont dehors là-haut. Les femmes qui sont dehors. Toute femme là-dehors qui lui parle n'importe comment. Je déclare que c'est ma voix qui va entendre. Je déclare que les promesses qu'il m'a faites, il ne va jamais les briser. Tu parles, tu parles. Après, tu fais... Tu caches ça. Vous comprenez? Tu ne peux pas voler le mari de quelqu'un. C'est ton mari que tu sécurises. On vient voler vos choses parce que vous avez négligé. Souvent, vous savez, et parfois, on t'a tellement trompé que tu te dis que, ah, est-ce que je peux arriver à un niveau où tu as même confiance? Non, mamie. Tu dois connaître tes outils. Tu dois connaître tes choses. Laure Koulibaly, ton nom que te dit fais attention à ce qui sort de ta bouche. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. C'est-à-dire que tu peux avoir trop. Tu es au Congo, ça? Ou tu es toi redit, je n'ai pas, je suis pauvre. Les pauvres comme nous-ci. Les pauvres sont les pauvres comme nous-ci. Oui, cette graine de nom. Voilà. Soit l'homme va s'améliorer, soit il va partir. Maintenant, je vous dis ceci, pas pour que vous quittez vos foyers, mais pour que vous sécurisez vos foyers. Sécurisez vos foyers. Beaucoup de femmes là dehors partent pratiquer. Vous croyez que c'est tout le monde quand vous êtes heureux, vous êtes beau comme ça là. Maman, pourquoi son mari est beau comme ça? Regarde comment elle est belle. Regarde comment leurs habits correspondent. Ah! Flèche au cœur. Ah! Ah, mais ils sont beaux. Ils vous guettent. Ils vous guettent. Soit ils vont mal parler de vous. Parfois, ils parlent même mal de toi, ton mari. J'avais certaines cousines là qui. Le jour où je les ai présentées à mon ex-mari. Hey, Jesus is Lord. Chaque fois qu'on prononce leur nom dans notre maison, les problèmes. Elle vient me dire quelque chose, elle ne parle pas de dire autre chose. Dès qu'on m'a dit, mais un t'a pas dit ça. Un t'a pas... Non, il m'a plutôt dit ça. On se colle les têtes. J'ai compris qu'il y a quelque chose sur les filles là. Il y a quelque chose sur les filles là. À l'époque, là, moi, j'étais simple, simple, simple ton. J'étais simple ton. Tout, donc, quand tu me vois, tu pouvais lire sur mon visage que la fille, c'est là, pardon. Simple tonesse. Elle est l'empresse des simples. Oh, c'est quoi là-haut? Wow! Simple, simple. On te travaille. Et le genre de personne a fait toujours comme ça là, donc. Notez vos rêves, non? J'ai déjà dit, je crois que. Écoutez mes vidéos, hein, je vous donne toutes les instructions. Toutes les instructions. Si vous êtes nouveau sur la page, abonnez-vous, likez, partagez. Voilà. Mais je vous donne toutes les instructions. Donc, l'atelier de planification pour 2022 est disponible. Je le fais à 50 euros, c'est-à-dire 33 000 francs CFA. Encore jusqu'au 5. Voilà le PayPal pour payer. Vous payez, vous envoyez seulement le message avec les détails. Voilà. Donc, il y a des ateliers qui arrivent. On fera un séminaire encore. Je crois que je prendrai 3 ou 4 heures de temps de séminaire avec vous dans les jours qui arrivent. Très bientôt, ouais, peut-être vendredi ou dimanche, je vais déterminer le jour. Comment transformer ces dons en argent? Je vais vous apprendre concrètement à monétiser vos dons. Écoutez, si tout votre argent que vous avez, supposons que je mets à 50 000 francs, même s'il faut que tu puisses prêter 50 000, tu viens me payer. Pour t'asseoir, je te dis comment. Tu peux prendre tes idées, tes mains, tu te fais de l'argent. Je te donne 3 semaines maximum pour que tu aies le retour de tes 50 000.
Vous m'écoutez? Je ne veux pas seulement venir parler, je vous motive. Je veux que je parle, tu entends. Après, tu parles, tu mets en pratique. Tu mets en pratique. Soum Kounje, ton gars donne l'argent aux gens dehors parce que toi, ton récepteur d'argent est gâté. Il faut que tu te laves beaucoup au sel. Il y a aussi des parfums attirants que tu dois mettre sur toi. Qui fait que quand on pense à toi comme cela, on a envie de te... Non, non, ça fait le jour au cœur. Beaucoup d'entre vous, vous êtes sales. Spirituellement, vous êtes couverts de mauvaise énergie. Dès que ton mari te voit comme ça, il est fâché. Pourquoi tu as trop le sel dans le tube? Pourquoi tu... Ton énergie. Ton énergie. L'arraché de c'est l'abondance, le riz, l'abondance. Beaucoup, 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 plenty. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, vous savez quoi? Je vais boucler une fois la date pour l'atelier, là. On va faire ça vendredi soir. Voilà. Vendredi soir. Et je vais mettre le coup. Je vais être gentil. Je vais mettre ça à 50 000. Ouais. On va dire les 10 premières personnes qui vont réserver, ils vont payer 50 000. Les autres vont payer 75 000. Je préfère comme ça. Parce que moi, je vais faire des ateliers où on paye 32 000 là. Je suis plus sur ça. Je m'assure que ce que tu vas finir avec moi, tu vas faire là. Tu vas partir, ça va te donner l'argent cash. Je vous ai parlé de l'autre qui a fait l'atelier la dernière fois avec moi. 2-3 jours plus tard, elle a eu son boulot. Je vais vous élever, je vous amène à un autre niveau. Quelqu'un m'a contacté l'autre jour que ma dîme, c'est 25. Je touche 25 000 francs. Je lui ai dit que commence à payer 2500 francs de dîme. Je suis sûr que dans 6 mois, la femme là se rentre et peut me donner 50 000 francs de dîme. Les principes spirituels, comme ça là, comme ça, comme ça. Vous pouvez partir de nez. Donc tu m'écoutes, tu es sur le canapé de quelqu'un. Donc ta cousine t'a hébergé pour quelques temps. Ne t'inquiète pas. Pas de là où tu es. Il y a un qui m'a contacté une fois, il voulait devenir représentante en Belgique. Elle me dit que là où tu me vois là, j'ai fait beaucoup de longs pas. J'étais dans une maison, dans une relation, j'étais bloqué. Bloqué, bloqué. 15 ans. La police nous connaissait déjà. On bagarrait tous les jours. J'ai dit que je pars, je reviens. J'ai dit que je pars, je reviens. J'ai dit que je pars, je reviens. J'étais écouté comment ça me lavait avec le sel. J'ai porté mes choses et je suis parti. Ça fait une semaine. Que une amie m'a mis dans sa chambre. Je sais qu'elle va durer dans la chambre aussi. Je ne vais pas durer ici. Quand elle m'a parlé, elle-même, elle professait, elle-même, ça joue sa vie. Je lui disais, que c'est bon, tu as fait ton travail. Tu as fait ton travail, mamie. Tu as fait ton travail. Le serpent dans le rêve n'est pas forcément négatif. Il y en a qui m'ont dit, j'ai rêvé du serpent, il est venu pour donner l'abondance. L'autre a rêvé du serpent, il est venu, il t'a enveloppé. Il t'a enveloppé comme ça là. Ce n'était pas pour te faire du mal. Quand vous rêvez, vous voyez la sensation du rêve. Comme j'ai rêvé là, est-ce que c'est bizarre? Ou parfois tu peux voir la paix. Il y en a parmi vous, vos objets spirituels, c'est le serpent. C'est le serpent. Il y en a qui paient leur dîme chez moi. Si c'est que effectivement, spirituellement, tu reçois ta nourriture spirituelle de moi. Mais tu sais que ce n'est pas chez moi, ne te dérange pas, ne paye pas chez moi. Parce que ceux qui paient la dîme chez moi, vous savez que je vous enseigne comment payer. Donc quand tu payes, tu dois parler sur ta dîme. Que Seigneur, je te ramène le 10%. Je ramène ceci, on sait pourquoi tu m'ouvres les écus et ceux sur moi. C'est un rituel. C'est un rituel. Ne prenez pas vos choses à la... Avoir le succès, la prospérité qui va vous prendre cette année-ci là, ce ne sera pas le hasard. Ce ne sera pas le hasard. Effectivement, il y en a que c'est leur totem. Et arrêtez le serpent. Il y a une femme un jour, elle vient, je vois que son totem c'est le serpent. Elle dit non, j'ai peur du serpent. J'ai dit que ouais. On t'a programmé que comment non, mamie? Ouais. Arrête. Il lui fallait un bâton de commandement avec la tête, la forme du serpent. Voyez la sensation qui vient avec. La sensation. Écoutez-moi bien. Parce que c'est que quand les gens... il y a les interprétations de rêve qu'on demande que tu es seulement bloqué, 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 bloqué. Et ceux qui en ont parmi vous venez vers moi, vous voulez que vous dise que vous êtes bloqué. En fait, vraiment attention.
C'est pour ça qu'on ne donne pas son rêve à n'importe qui. Ne dites pas votre rêve à n'importe qui. C'est comme si tu ouvres, parce que le rêve, c'est le canal que les ancêtres utilisent pour te parler. Ne te mets pas seulement ça, tu dis à n'importe qui. Oh Seigneur. Tu m'en sens élan, élan. J'ai rêvé que. Voilà le Dieu de la fertilité. Il y a une dame qui m'a contactée, elle m'a dit, elle a reçu ses produits, elle est en France, elle a reçu ses produits, ça fait peut-être 2 jours. Elle me dit, elle s'est lavable le sel, le romarin, avec les produits que j'ai envoyés hier. Dans la nuit, elle a rêvé, elle voit, je viens dans son rêve, elle chantait, ya ya, kamo, kamkodia. Dans mon passage, ça avait dit que Dieu est venu, non? Ou le bonheur, Dieu est venu dans la maison. Et elle dit, dans son rêve, je suis entrée dans sa maison, je l'ai embrassée sur la joue. Et je l'ai vraiment embrassé. Je suis partie. Il dit que Dieu te montre que le lavage que tu as fait là, ça a été reçu. Ça a été accepté. Et spirituellement, je suis ton guide. Le roi Martial, vous devez être au Cameroun. On ne me rencontre plus directement comme ça là. Vous appelez, vous prenez rendez-vous, vous vous lavez d'abord au sel, ok? Voilà, 3 jours au moins. Et en venant, vous devez écrire ce que vous voulez sur le papier. Donc, je précise que je viens de boucler à la date de mon truc. Comment transformer ces dons en argent? C'est l'atelier qu'on fera dans la nuit de vendredi à samedi. Séminaire, je vais appeler ça séminaire même carrément. On va faire ça en ligne sur Zoom. Les 10 premières personnes qui vont payer, ce sera 50 000 francs. Ceux qui vont payer après, quand ils passent les 10 personnes, c'est 75 000. Et ça, c'est assez même gentil. Je veux vous passer du bub au concret. J'ai un de mes fils spirituels ici là. Il est venu me voir vers septembre. Quand il venait à peine de commencer là, il vient me voir. Il dit que je veux. Après, il part. Il disparaît. Oui, comme quand Dieu savait dire Dieu est à la maison. Je vous ai dit que moi, je ne doute pas de la personne qui m'a envoyé. Trop de personnes m'ont vu dans leur rêve. Si ce n'était pas vos ancêtres qui m'envoyaient, ce que eux-mêmes là, ils allaient venir vous dire que non, la fille là, il faut la fuir. Fuis-la. Tu reçois mes produits, tu te laves avec. Dans la nuit, on vient de dire que Dieu est entré chez toi, maman. Vous devez. Donc, ce jeune homme dont je vous parle, il s'habille très bien, il est beau. Quand tu le vois, maintenant, les gens l'apprécient tous les jours. Mais il est salarié, il est seulement son petit salaire. Il manque l'argent. Je lui dis que, papa, je vois en toi le coaching vestimentaire. Mais tu sais quoi, tu vas me payer. Va chercher l'argent, tu viens avec. Donc, il y en a, je coach aussi dans la reconversion de business. Donc, de sources de revenus. Vous devez créer plusieurs sources de revenus cette année. Après l'année pour l'atelier pour transformer ses dons en argent, je vais faire un autre atelier pour avoir plusieurs sources de revenus. Comment établir avec succès plusieurs sources de revenus en peu de temps? Vous avez besoin de ça. Les croquettes, là, les samedis, les enfants te font frire tous les croquettes à la maison, ils découpent une source de revenus. Après, telle personne fait ça là. Deuxième source de revenus, tu prends les produits de Longriche là, avec même certains de mes produits, tu pars au bureau avec. Quatrième source de revenus. Vous avez besoin des sources de revenus. Même pour payer Internet là, pour me regarder, vous avez mis la connexion. Vous payez la connexion, non? Les gens qui vous ont dit que vous n'avez pas besoin d'argent, ils vous ont menti. Hein? Voilà. Bon, le message est passé, non? Pour payer, voilà les liens là-bas. Le séminaire qu'on a fait la semaine passée pour planifier son année 2022, c'est disponible et ça coûte 50 euros, c'est-à-dire 33 000 francs CFA. Je donne encore 2 jours de vente. J'ai ouvert les ventes depuis. Donc, les gens, j'ai reçu les paiements déjà. Quand vous payez, on vous envoie le lien, vous regardez. Donc, c'est disponible jusqu'au 5 à ce prix-là. Après ça, ça va remonter à 100 euros. Voilà. Donc. Et puis, l'atelier, on a un atelier qu'on va faire vendredi, de vendredi à samedi. Je choisis les heures de la nuit parce que je veux que vous soyez. J'ai une représentante à Yaoundé, pour les gens qui veulent des produits à Yaoundé. Je veux que vous puissiez, le ton de ce que vous allez mettre la première semaine de l'année-ci, c'est ça qui va vous donner
ce que vous allez recevoir durant toute cette année. Il y en a parmi vous, vous devez acheter votre terrain dans les 2 mois qui suivent. Pour ça, vous devez voir, votre tête doit s'ouvrir. Vos idées doivent s'ouvrir. Vos maris vous ont frustré, vos femmes vous ont frustré. Ta femme ne croit pas en toi. Dès que tu donnes une idée comme ça, dis que toi, paresseux comme tu es là, tu peux. Pardon. Mais oui, ce n'est pas seulement les hommes qui dérangent, découragent les femmes. Hein. Flore Togo, écrivez. Tu voulais pas écrire, laissez-moi, ne me dérangez pas. Vous avez compris. Voilà le truc là-bas. Je vous ai dit qu'il y a un secrétaire qui répond aux messages à partir d'aujourd'hui. Voilà les messages. J'ai mis le numéro là-bas. Écrivez. Vous venez dans WhatsApp, dans Facebook, me dit de pardon, s'il vous plaît. Ok. Bon, passez une très bonne journée. Ma représentante, le contact, c'est sur la vidéo aussi. La représentante de Yaoundé. Et ne me contactez pas pour me dire que vous êtes débrouillard. Hein. Que je suis débrouillard, il n'y a pas un rabais. Yay! Quand vous cherchez la réduction, quand votre bénédiction va venir, ça va venir avec la réduction. Représentant de Yaoundé, 679-11-49-17. Donc quand vous écrivez, vous attendez qu'elle vous réponde. Voilà. Et le numéro de téléphone de Douala, c'est le 680-711-07-01. Voilà. Passez une très bonne journée. Bonne journée à vous tous.